Je reviens rapidement. Donc, comment dire donc là, on va parler de fact-checking. Voilà, c'est très très court. Fausse photo donc sur les réseaux. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Une photo saisissante peut facilement jouer avec les affects des internautes pour encourager au partage. Pourtant, les images sont très facilement manipulables à l'aide de logiciels de retouche d'images très accessibles et plutôt faciles d'utilisation. Comment faire pour s'assurer qu'une photo que vous voyez circuler sur les réseaux sociaux n'a pas été modifiée ou qu'elle n'est pas utilisée hors contexte? C'est l'objet de cette vidéo. Des outils gratuits et accessibles sur Internet comme Forensically ou PhotoForensics sont en mesure d'identifier automatiquement les montages les plus grossiers. Forensically vous permet par exemple, grâce à une fonctionnalité baptisée Error Level Analysis, de vous apercevoir en jouant avec la jauge Opacity que la soucoupe et le parachute ont été ajoutés à cette photographie. La plupart des photomontages qui circulent sur Internet, l'efficacité de ces outils d'analyse d'image n'est pas optimale et il faut s'en remettre à une technique plus simple et très probante, la recherche inversée sur les moteurs de recherche. Cette dernière vous permet de retrouver aisément la photo originale d'une image manipulée, souvent à des fins politiques. Penchons-nous sur un exemple récent. En juillet 2020, une image impressionnante est publiée sur le site europe-israel.org. Dans un article, on peut lire « L'Australie ne veut plus de migrants. Deux navires militaires ont percuté un bateau de migrants illégaux qui n'a pas répondu aux sommations. Les clandestins ont tous été renvoyés. » Quand vous tombez sur une publication de ce genre, souvent relayée sur les réseaux sociaux à grand renfort de commentaires haineux, le réflexe à avoir est de se rendre sur un moteur de recherche qui propose une solution de recherche par image. Le plus connu est Google Images. Il vous permet de rechercher sur l'ensemble du web les images similaires à celles que vous avez besoin de vérifier. Dans le cas de notre exemple, cela donne ceci. Plusieurs possibilités. La première est de cliquer sur l'image afin de rechercher d'autres articles ayant utilisé cette illustration. Dans notre cas, on tombe sur un article du journal allemand Die Welt datant de 2012 et qui évoque des activistes chinois arrêtés par des gardes-côtes japonais sur l'île de Senkaku. Une recherche Google traditionnelle va alors nous permettre de mieux appréhender le contexte dans lequel a été prise la photo et d'invalider complètement l'article initial. On retrouve grâce à cela la source de notre image, Associated Press, notamment utilisée pour illustrer cet article du New York Times à l'époque. On comprend donc qu'il s'agissait d'une opération des gardes-côtes japonais qui tentait d'intercepter une embarcation de militants pro-chinois parvenus à débarquer sur une île disputée par Pékin à Tokyo. Rien à voir avec l'Australie donc, ni avec la question migratoire. Google Images ne donne pas tout le temps satisfaction, surtout depuis que le moteur de recherche a décidé en 2019 d'empêcher la recherche inversée au-delà d'un laps de temps d'une année. Bing, le moteur de recherche de Microsoft, ainsi que le russe Yandex, offrent également de très bons services. Dans notre exemple, c'est d'ailleurs Bing qui nous mettait le plus rapidement sur la bonne piste. Il faut donc parfois combiner tout cela pour trouver ce que l'on recherche. Bon courage à vous toutes et tous.